Bonjour, je m'appelle Alexis Fossé-Gauthier, je suis cinéaste formateur. Et je m'appelle Patricia Chica, je suis cinéaste formatrice et nous sommes... L'équipe Wapikoni Mobile, escale de Montréal. OK, ça roule. Action. L'escale Montréal, c'est une escale très particulière parce qu'elle se déroule dans un contexte urbain. Donc, on a des participants qui proviennent de toutes les Premières Nations, que ce soit du Québec, du reste du Canada. Et c'est très diversifié aussi au niveau des sujets. On s'est rendu compte que les participants qui viennent à l'escale Montréal de Wapikoni Mobile, ils ont déjà un certain niveau de carrière. Ils ont aussi déjà des acquis, soit en tournage, en son, en musique, en enregistrement. Et nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de les guider à penser un peu plus au niveau de l'histoire. Et on donne aussi des formations vidéo et son, ainsi que montage pour perfectionner et pour les nouveaux aussi qui viennent sans acquis techniques. L'escale de Montréal a aussi comme particularité d'aborder des thèmes qu'on aborde peut-être un peu moins en communauté. Par exemple, la situation d'itinérance d'une certaine population autochtone ici sont des thématiques qui ont été assez peu vues précédemment dans les autres escales de Wapikoni. On parle aussi de choses plus politiques peut-être, parce qu'évidemment, le fait d'être dans une ville, une nouvelle arène en tout cas, pour des préoccupations qui peuvent aussi toucher les Autochtones, mais de façon peut-être plus général, un peu moins local comme lorsqu'on est en communauté. Should I cut myself, put some scars on my sleeves, maybe the pain will go away and I won't have to grieve, let the blood flow. As my soul starts to leave and the room fades to black, as my heart no longer beats, had no place to go and he wanted to escape, tried to achieve his dreams but it was already too late, seems he chose his path. This is his fate, choose your own road, and in this world we create. Looking kinda down, feeling hurt and broken, simply from some words one person had spoken. In the back of his mind, hoping they were just joking, not realizing the demons he had awoken. Torture misguided and a little bit scared, seems for this life he was not prepared. Problems and issues, something he had never shared. Fell victim to the world, thinking nobody ever cared. Let's talk about the realness. Come on, do you feel this? Tell me about what...